je viens de faire place nette. 7h40. Je pars pas tôt. Mais je me suis vraiment couché tard. Pendant le bivouac à 9h. À 21h hier soir, ouais. Ah, donc je me suis laissé réveiller tout doucement ce matin. Ah, pour préparer les affaires et me mettre en chemin. Petite brume dans la forêt du col d'Auzay. Donc je marche sur le petit chemin là. Et puis je crois que ce sera peut-être pas la peine de monter au Lindus si c'est dans la brume. Auquel cas je vais transférer direct à Ibagneta. Et puis tant que c'est dans la brume, marcher sur le Camino. Il y avait un autre bivouac quelques dizaines de mètres après moi. L'impression que ça s'annonce quand même bien embrumé. Ouais, comme indiqué, inutile de monter au Lindus dans la brouillasse. On va garder la route jusqu'à Ibagneta. Tout était paisible dans les alpages et soudain un mule apparut. Se répandit et tout d'un coup ce fut la panique. Bon, ces chaussures passent les 900 km je crois aujourd'hui, la semelle commence à être un peu usée. Pour l'instant ça accroche encore. Est-ce qu'elles iront au bout de cette traversée? Rien n'est moins sûr. Surtout sur l'asphalte comme ça qui use beaucoup plus vite. Déjà au col du Lindus. Plus qu'à descendre vers Roncevaux. Enfin, vers le col d'Ibagneta. Roncevaux est plus bas. J'y passe pas. Port d'Ibagneta, fantomatique. Je commence à entreapercevoir la position du soleil à travers la brume. Donc sur le Camino, un seul marcheur de croisée pour l'instant. L'instant où j'émerge de la brume. Il va faire beau. C'est beau ça. Tac. La magie du spectacle. Finalement, la vraie variante pour ce matin, c'est de pouvoir vous montrer les lieux au soleil. Troisième fois que je passe ici. Première fois que je le vois sous le soleil. Bon, évidemment, quand je commence à filmer, il y a une voiture qui passe. Mais là, je vois enfin le pic d'Ory, dites donc. Trois fois dans la. Enfin, troisième fois, deux fois dans la brume, dans la pluie. Ah, vache! Enfin des vues. Bon, est-ce qu'il va tenir jusqu'à demain? Parce que ce soir, non, je pense pas quand même. Faut pas tousser. Faut qu'il tienne jusqu'à demain. Limite, mais bon. Ils en auraient retrouvé la brume. Ah oui, tiens.
Il y a des prises électriques, hein. Ça explique les panneaux solaires. Cool. Bon, c'est rustique, hein. Ça n'avait pas changé. Bon, on va retourner dans le brouillard en espérant que là où je vais faire ma pause, à Bentart, là, ça va se dégager. Je vais revenir en arrière par là et quitter le camino. Mais avant ça, je descends jusqu'à la fontaine qui est là-bas. Parce que sinon, j'aurais pas de café. Voilà, plein d'eau à la fontaine de Roland. Ici, moi, je quitte le camino. Je vais me poser au col de Bentart, là, avec les moutons, les chevaux, un poil de soleil. À se faire pause petit-déj. Malgré le petit vent, je vais me poser pile sur la HRP à côté de la borne 200 tout rond au col de Bentart. Avec le soleil, c'est pas désagréable. Ouais, je repars dans un mix de soleil et de brume, mais c'est bien, ça permet d'éviter de cuire. Et la batterie recharge quand même au panneau solaire comme ça, donc ça va. Pas de variante tout de suite. Pas de variante avant le col des Rosates. Je pense qu'à partir du col des Rosates, au lieu de redescendre, faire toute la route là, enfin, que maintenant j'ai en horreur, je vais faire le circuit pour passer par les chalets d'Irati. Je l'ai jamais fait. L'omelette basque continue. Un versant chaud et sec, un versant froid et humide. Et on inverse. Et on recommence. Bon, l'omelette basque continue. On redescend un peu sous la brume. La trace enregistrée passe beaucoup plus bas là dans ce vallon. Et puis en fait celle-ci, elle reste à flanc là, circule super bien. Et alors je sais pas si au niveau de cette petite crête là, je pense que la logique c'est de descendre cette crête jusqu'au col d'Aspegui. C'est là que ça doit se faire, mais ça va, semble-t-il, vachement mieux. Pour les quelques kilomètres de route jusqu'à la cabane d'Orgambidé, la cabane de l'espoir. Je l'appelais comme ça parce que les deux fois où je m'y suis arrêté, il pleuvait, j'étais déprimé et c'était le moment où le temps changeait, la lumière revenait et ça permettait de repartir. Donc voilà, dans la brume, mais bon, c'est pas une brume pluvieuse. Et donc, cabane d'Orgambidé, et plus loin, direction Elursaro et les grottes d'Arpea, la montée du col des Rosates, qui a priori va se faire encore une fois dans la brume. Alors mon choix, c'est plutôt d'aller vers les chalets d'Irati, mais sinon ici, effectivement, il y a le GR qui coupe, et qui va directement vers Igourgi. Donc... Igourgi Orgarat. Bon. Là, c'est une autre variante que j'ai choisie, mais pour après la montée au col des Rosates. Ça me fait refaire la route. Bon, c'est un peu con. Borne numéro 212 à hauteur d'Orgambidé. Juste là. Dans la brume. La cabane. Que pour une fois, je zappe. Pour une fois, je suis pas en veste de pluie pour passer ici. Ça me change, mais bon, je vois toujours rien.
bain, mon cochon. Allez, là ben en face, on va faire une petite descente, grosse montée. Est-ce que je vais me mouiller les pieds? That is the question. Oh, il y aurait presque du soleil. Donc c'est là, juste après la petite ferme, qu'on replonge en suivant la marque rouge qui est là. First time it doesn't rain. Third time, the third time pays for all. Là, je viens de rattraper et de doubler deux HRPistes que j'avais croisés à leur départ d'Anda. Ils m'ont reconnu, moi j'avais pas percuté, noté. Donc Yvan et Anna. Donc je les laisse au pont de. Au petit pont là, sous le col des Rosates. On va a priori pas se retrouver puisque moi je vais passer par Irati et eux vont passer par Egourgi. Et a priori je vais beaucoup plus vite. Bon, je pense que cette fois-ci la montée des Rosates se fait à pied sec là, dans les herbes, parce que je vous laisse imaginer quand c'est mouillé. Rien qu'avec la rosée, à quel point on peut avoir les pieds détrempés. Ça va être plus simple ce coup-ci. Allez, 300 mètres de dénivelé en petit lacet, petit sentier. C'est parti. Et moi, c'est là-haut, dans la brume. Bon, je sais, ce n'est qu'une redite, mais bon. Je vous le remontre quand même, quoi. Anna et Ivan sont là en bas. Deuxième passage devant ce mémorial. J'ose pas imaginer la scène, juste ignoble. Arrivé au col des Rosates avec une brume qui semble remonter légèrement petit à petit. Le col était complètement dans la brume tout à l'heure. Vous pouvez pas le voir. Alors, trouver un coin peut-être à l'abri du vent. Ouais, il y a du soleil là-bas. Au-delà du cul du cheval. Et hop, retour en Espagne. Fin de la pause. Prise dans l'herbe, ici, un peu à l'abri du vent, de l'autre côté du col des Rosates. Et là maintenant, je vais prendre par là-haut, sous la cime des Rosates, puis faire un peu tout le tour pour aller à la cime d'Ocabé, qui est là-bas. Et de là, essayer de pousser presque jusqu'à Irati. J'attrape ma variante là, je monte au-dessus du col des Rosates. Anna et Ivan qui arrivent. C'est manqué de peu. J'ai fait ma pause juste au-dessus de la baraque là en bas. Pic d'Ori qui se dégage là-bas. Direction Ocabé. Par cet itinéraire qui commence par un bout de route. Oh bah c'est marqué GR, ça me facilite la vie. On dirait que je vais replonger dans la brume. Donc avant ça, je vais refaire un petit tour de caméra. Au genre de col sous la cime des Rosates. Thank you.
J'attaque le hors sentier pour couper là, parce que sinon il faut faire tout le tour du cirque là par la route. Donc là je tire un peu tout droit pour prendre l'ascente un peu, enfin l'ascente, la remontée un peu à peu près au niveau de la ravine un peu brutale là sur la route et là-haut sur la crête. Il y avait une vague marque rouge là pour indiquer cet itinéraire, mais même pas la plus petite once de début de commencement d'ombre de sentier. Mais bon, on en avance pas moins rapidement. Cette tourbière à traverser, en période normale, ça doit être un peu plus compliqué. Mais là, vu la sécheresse, ça se fait tout seul. En période normale, il faudrait faire le tour par là, je pense. Hein, ce premier morceau du hors-sentier, c'est fait. Le deuxième morceau, ça va être de remonter à flanc là, jusqu'à rattraper le sentier de crête. À l'œil, je vois la mer, mais à la caméra, je pense pas que ça se voit. Bon, ça y est, je suis dans la crête. Maintenant, il n'y a plus qu'à attraper un chemin. Il doit bien y en avoir un quelque part. Sinon, ça me semble assez évident. Squatter pour méditation. Oh ben, ils vont rester la nuit. Panorama de la cime d'Okabe. Tout ça bien dégagé. J'ai aperçu quelques cromlechs, mais il y a des zigotos qui squattent, qui font un peu des cérémonies au bon du nœud là. On voit le secteur du Pignani bien à quoi là-bas. J'y serai pas normalement. Hop, un peu caché par là. Ah. Allez, il va être temps de descendre sur Irati ici. Après des heures de steppe, revoici la forêt. Ouh. Fin de la descente pour Irati 6. Plouf. On va voir à quoi ça ressemble. Et est-ce que l'air de bivouac qui est là-bas peut m'agréer ou pas? Si elle ne m'agrée point, il faudra que je continue. Si elle m'agrée, je m'arrête là en étant court de quelques minutes sur le quota, ce qui est pas bien grave. Vaste terre de bivouac, c'est tous les camping-cars. J'ai vu qu'une seule tente est encore assez bas, assez en contrevent. Je vais regarder un peu la réglementation là, parce que là, en fait je vais tout seul dans ma tente là, dans un recoin. Bon, il y a des WC. Mais les WC sont fermés, il n'y a que les robinets d'eau qui fonctionnent. Bon, on voit le monde qu'il y a là. Je sais pas si c'est super comme truc. Voilà, aire de bivouac, tente, c'est sur la gauche. Hop, camping-car, c'est là. Tente, c'est pas. Pas fou, hein. Bon, je fais le plein d'eau, ça, je suis peinard, personne ne me dérangera. Si
si je peux me baigner un peu dans la rivière, ça me fera pas de mal. On va arriver à faire quelque chose dans le coin. Un peu de baignade. Et par là, il faut un coin raisonnablement plat. Je crois que c'est plus par là. Je crois que le plat, l'herbe douce, est là devant. Toc. On fera quelque chose par là, vendu à Gigi. Ah, montage à Irati. Il va y avoir du vent. On voit que les nuages défilent.